Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa. Nous avons une devise dans cette émission, union, discipline, travail, béret. Nous avons un invité et non des moindres, il est chantre de l'éternel, prophète, il a une voix magnifique. Quand il chante, ça transperce l'âme. Téléspectateurs, recevez Nestor David dans Fafa. Bonjour Nestor David. Bonjour. Bienvenue dans Fafa. Merci. Comment ça va, au chantre de l'éternel, Nestor David? Très bien. C'est un plaisir de te retrouver là. Moi aussi. Il fallait, tu vois, quand je regarde Nestor David, il ressemble à quelqu'un qui a trop de sous. Il a l'attitude des babatiers. Ah bon? Non, c'est qu'il a changé. Non, non, faut t'asseoir, donc tu peux rester comme tu étais. Alors, Nestor David, on va parler de ta carrière, évidemment, mais aussi on va parler de ta vie privée, hein, parce que Fafa, c'est aussi ça. On ne laisse pas les invités venir nous dominer chez nous. Hein? Voilà. Donc, j'espère que tu es prêt. Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on va le vu ce jour-là. Je pense que tu es prêt. Hein? Ouais. Alors, dis-nous, Nestor David, que penses-tu de Aziz 47? Bon, moi, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas. Mais tu as entendu parler de lui, c'est sûr. Oui, mais je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mm-hmm. Non, mais au moins sur les réseaux, tu l'as, on l'a déjà vu. Sur la, on va dire même sur une chaîne de télé en train de échanger avec Camille Makosso, le général, parce que tu as quand même vu quelques bouts. De faire les éloges des féticheurs en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, je n'ai jamais eu affaire à lui. Bon, donc, je sais pas quoi dire sur lui. Mm-hmm. Voilà, et puis, on n'a pas les mêmes, je dirais, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Justement. Voilà, lui, il est féticheur. Moi, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Donc, je ne vois pas le lien. Justement, à la vérité, il n'y a pas de lien, mais simplement, on veut savoir, quand quelqu'un va sur des chaînes de télévision pour dire que lui, il est pour le fétichisme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu en penses? La firme. Pour toi qui es serviteur de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, et où il y a la liberté d'expression, liberté de religion, de culte. Donc, je pense que chacun est libre de venir défendre ce en quoi il croit. Mm-hmm. Voilà. Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis un chante, un serviteur de Dieu. Voilà. Et moi, je prêche pour que les gens viennent accepter mon Dieu, qui est le Christ. Mm-hmm. Voilà. Mais cela n'empêche pas chacun de faire ce en quoi il croit. Voilà. Mais est-ce qu'il y a du fétichisme dans le milieu chrétien? Toi qui es plus imprégné. Avec... Bon, moi, à ma connaissance, je pense que quand on est chrétien, on appartient au Christ. Donc, tout ce que nous faisons doit être uniquement pour la gloire du pour Seigneur. La gloire du Seigneur. Et maintenant, bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui mettent en bas un peu aussi? Exactement. Bon, là, je ne sais pas. Puisque moi, je n'ai jamais touché à un feu étranger. Bon, j'ai ça, jamais, on ne peut pas savoir. Oui, vous ne pouvez pas savoir, mais je parle, c'est moi qui parle. Voilà. Ça ne m'a jamais tenté de faire ces choses. Donc, moi, je ne sais pas si les gens ont fait ta galère. Je dirais avant que tu sortes ta chanson phare qui a bouleversé tout l'évangile en Côte d'Ivoire. Au plus fort, à des moments difficiles, vu que tu exprimes cela dans la chanson, tu n'as pas eu même envie même d'aller toucher un bois là-bas, même quelque chose. D'abord, moi-même, je n'avais même pas même de moyens même pour dire que je vais aller toucher. Mais il n'y a pas besoin de moyens pour aller là-bas. Et puis, c'est des choses. Moi, je suis. Au contraire, je prends comme le moyen, prends ton âme, c'est ça que le moyen. Parce que moi-même, j'ai entendu dire ça, que Nestor David, son succès repose un peu sur le fétichisme. Arrêtez. Sincèrement, les gens en ont parlé, il faut que tu nous dises les vérités aujourd'hui. Madame, c'est la comédie, arrêtez ça. Quelle comédie? On n'est pas des acteurs, on est des animateurs. Je pense qu'il faut évoluer le débat. Voilà, il faut évoluer le débat. Moi, ça ne m'a jamais tenté et ça ne me tentera jamais. Parce que j'estime que si on prêche Dieu et on encourage les gens à accepter Dieu, je pense que ce Dieu-là, c'est parce qu'il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Voilà. Donc, s'il faut prêcher l'évangile soi-même et puis passer par derrière pour aller voir des fétiches, bon,
Je ne sais pas à quoi ça arrive dans ce moment-là. Il y a beaucoup de gens dans ce milieu. Hein? Bon, je ne sais pas si les gens en font, mais moi, ça ne m'a jamais tenté. J'ai mis toute ma confiance en Dieu, en Christ. Dieu s'est glorifié dans ma vie. Dieu continue de le faire. Donc, pour moi, je n'ai pas, ça ne m'intéresse même pas. Et concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Nestor David que le fétichisme ne peut pas faire pour toi? D'abord même le souffle de vie même que j'ai déjà. Et quand je regarde où j'étais et ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu me permet d'être assis sur un plateau de télé avec vous. Chose que peut-être 20 ans, 22 ans passés, personne ne pouvait imaginer cela. Donc, si le Christ, Dieu a permis que je sois à ce niveau. Quand moi je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne suis pas en train de quantifier en termes d'argent, en termes d'élévation, en termes de succès, mais je parle en termes de mon témoignage, de ce que j'étais, d'où j'étais, et Dieu m'a permis d'arriver là. Cela veut dire que ce même Dieu-là, en qui j'ai mis toute ma foi, ma confiance, qui m'a permis d'arriver là, il est capable de m'amener là où lui-même il a prédestiné pour moi. Mais bon, ce que je veux dire, pour terminer, vous savez, ce qui fatigue les hommes, je dirais les Ivoiriens en particulier, c'est qu'on ne veut pas suivre notre étoile. On ne veut pas suivre notre étoile, on n'est pas patient. On veut forcément faire comme l'autre. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à réussir dans le même domaine. Mm-hmm. Tout le monde n'est pas appelé à avoir les mêmes dimensions d'élévation, de bénédiction. C'est sûr. Mais tout compte fait, Dieu, la Bible dit que le juste mangera à sa foi. Donc, le plus important, c'est d'arriver à souvenir à ses besoins. Mais Dieu donne ça à tout le monde. Voilà, même les fous qui sont là, dans les rues, là, ils mangent. Mm-hmm. D'accord. Mais Nestor David, depuis que je t'entends, quand je t'entends parler, tu n'arrêtes pas de dire... Dieu t'a enlevé dans beaucoup de choses, tout ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu vivais exactement avant que Dieu ne te touche? Quelle est la vie que tu menais? Je menais la vie en Christ, mais je vivais la galère. C'était difficile. J'avais faim. Oui, j'avais faim, j'avais beaucoup faim. Mais aujourd'hui, tu es rassasié. Comment il avait faim? Parce que tu as pris sur la faim. Non, mais quand vous dites je suis rassasié, là, je vous dis qu'avant, je mangeais plus. Ouais, le ventre. Vous êtes d'habitude, tu étais mince au début. Ah, moi, tu étais sec quand on t'a vu dans tes débuts, Nestor. Il y a des gens qui ont plus de ventre que moi. On t'a vu mince ici. Avoir un ventre n'est pas synonyme. Maintenant. Avoir un ventre n'est pas synonyme de richesse. Hein. En Europe, là, à l'Occident, ceux qui ont des gros ventres, c'est des gens qui n'ont pas l'argent. Ceux qui ont les ventres plats, c'est des gens qui sont... Parce qu'ils mangent bien. Mais en Afrique, c'est le contraire. Souvent, on dit que quand les gens ont gros ventres, ils ont trop de paix dans la tête aussi. Ils vont tous. C'est pas ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Parce que quand on a l'argent, on mange, on contrôle notre alimentation. Voilà, on ne mange pas tout. Ça, c'est en Europe. Mais en Afrique, c'est le contraire. Quand on a beaucoup d'argent en Afrique, on mange comme on veut. Ici, ça commence à venir. Ça commence. Voilà, parce qu'il y a des plats qui font grossir le ventre. Mais Nestor David, on t'a vu à tes débuts, hein. Mais, voilà, tu étais bien sec. Monsieur et tout ça, tu portais les chemises aériennes. Mais je suis toujours sec. Non, tu n'es pas sec. Tu portais les chemises aériennes, deux femmes aériennes. On voit un peu gros. On te voit, tu as pris du poids. On voyait le style vestimentaire de Nestor David. Voilà. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Nestor David, était dans une chemise paille saérienne. Dans une émission bien sec. Ça ne brillait pas. Non, n'est-ce pas? Quand tu avais raison, c'était les habits de mon oncle. Ah, d'accord. Vraiment, le Seigneur a travaillé dans ta vie. Je ne peux pas me mentir. Si je dis que Dieu n'a pas travaillé dans ma vie, c'est que je ne suis pas reconnaissant envers Dieu. Voilà, je l'affirme. Mais financièrement? Par la grâce de Dieu, j'arrive à subvenir à mes besoins, non, aux besoins de ma famille. Tu as ça maintenant ou bien tu n'as pas ça? Bon, donc j'ai ça. Alors, j'ai ça parce que, vous savez, je pense que quand on est en Christ, il faut faire envie que pitié. C'est ça. Voilà. Si tu veux que les gens se donnent à ton Dieu, toi-même, il faut montrer que ton Dieu est capable de te bénir, ton Dieu est capable de répondre à tes besoins. Mais on n'est pas dans cet évangile-là où on vient se montrer fébrile, on vient montrer un Dieu malheureux. Oui, attends, mais c'est l'image du Christ. Oui. Même si tu n'as... Je dis toujours aux gens, quand je prêche, je dis toujours aux gens, aux jeunes, surtout, je leur dis, n'attends pas d'avoir des millions pour prendre soin de toi-même. Il faut te mettre dans les conditions pour que la bénédiction arrive à toi. La bénédiction a un langage. Bien sûr. C'est un code. Bon, je vois Serge Defalé, il est très bien habillé. Ah bah ouais. Voilà, C'est un serviteur de l'Éternel aussi. Hein? C'est un serviteur de l'Éternel, il est très bien habillé. S'il parle de Jésus à quelqu'un,
la personne automatiquement, même sans même que la personne ne soit chrétienne ou pas, il va regarder d'abord l'apparence. D'abord. D'abord. L'allure de Serge de Falé, son teint, etc. Il faut passer à une autre manière de présenter le Christ par nous-mêmes, notre image. Et surtout le chrétien lui-même. Parce que les gens ont gardé cette image du chrétien, non. Après, tu es chrétien, tu as venu t'habiller bizarrement. Et puis, ils importaient de ses paires de souliers. Oui, au canapé qui est moi-même, c'était là. Mon style avant. Tu vois, il est en petit boxon. Tu vois, bon. Non, Nestor, David, non. Ta vie chauffe dans les pénètes. Dans mon mocassin. Tout ça là. Ah, Nestor, David. Non, c'est les accessoires. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Pourquoi les gens disent qu'il y a beaucoup de méchanceté dans le milieu chrétien? Beaucoup de méchanceté. Mais il y a la méchanceté partout. Oui, mais quand on est en Christ, il n'y a plus de méchanceté. Pourquoi chez vous, on dit oui, vous les voyez comme ça, ils sont chrétiens comme ça, mais leur cœur est noir. L'église, même les gens sont méchants. C'est dû à quoi? Bon, je ne sais pas. Moi, je suis venu trouver le christianisme. Voilà, donc je ne saurais quoi vous expliquer. Ce que je sais, c'est que vous savez, d'abord avant d'être chrétien, nous sommes d'abord des hommes. Mm-hmm. Et chaque homme a son caractère en lui, le côté homme et le côté esprit. Donc je pense que si on est en Christ, on doit faire l'effort pour que l'esprit de Dieu qui est en nous puisse primer. Et quand l'esprit de Dieu qui est en nous prime, il y a l'amour, parce que le Christ c'est l'amour. Et quand tu as le Christ en toi, tu ne peux pas avoir la haine de quelqu'un dans ton cœur. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de laisser l'esprit de Dieu qui est en nous dominer sur notre chair, qui a ses désirs, qui a ses pressentiments, qui a ses envies, voilà, qui a ses préjugés. Si une fois qu'on rentre dans le domaine de l'esprit, on se laisse conduire par l'esprit, les émotions automatiquement vont disparaître. Donc du coup, si je regarde ma soeur qui est là, même si elle m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, je lui dis, ou bien, bon, dans mon cœur, c'est vrai, bon, je ne garde rien. Tu libères. Que voilà, c'est tout. D'accord. Et pour moi, en gardant la haine dans le cœur contre quelqu'un, c'est toi-même qui te fais du mal, hein. Tu te fais du mal toi-même parce que la personne, lui, c'est pas que tu as la haine dans ton cœur contre lui. La personne vit sa vie tranquillement, mais toi qui as la haine dans le cœur, là, c'est toi qui es rongé par lui. Mais justement, moi, je ne comprends pas. Tu gardes la haine contre quelqu'un qui t'a fait du mal et c'est toi qui souffres. De quelle façon? Pourquoi? Comment? Je te donne un exemple sur la star. Je te donne un exemple. Il veut te caresser pour ne pas que tu l'attaques. Je t'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Beaucoup de mal, surtout. Beaucoup de mal. Et au lieu de me dire, tu ne me dis pas, tu gardes dans ton cœur. Moi, quand je te vois, je te salue, je ris avec toi. Parce que dans ma tête, je ne sais pas que ce que je t'ai fait, t'as pas plu. Tu as plus un mal et tu as gardé des dents contre moi dans ton cœur. Donc, chaque fois que tu me vois, ton cœur se coupe. Parce que la haine que tu manifestes à mon égard, la haine, il y a un langage. Chaque fois que tu me vois, tu manifestes la haine, la jalousie, et tu manifestes l'envie de me voir dans le mal. De me voir soit dans la chute, de me voir en train d'être malheureux. Pour que toi, tu puisses retrouver un temps soit un peu de joie. Mais si tu me vois, je brille bien habillé, je viens d'une belle voiture, avec une belle allure, automatiquement, la haine s'intensifie dans ton cœur. Pourtant, c'est toi qui m'as fait du mal. Pourtant, c'est moi qui t'ai fait du mal. Mais lorsque toi... Les principes, hein. Non, ce n'est pas faire des principes de l'affaire de Dieu, mais c'est des principes même du fonctionnement même de la vie de l'homme. De la vie, de la nature. De la nature. Or, si automatiquement que je te fais du mal, tu reviens vers moi, tu me dis, Nestor David, tu m'as fait telle chose, je n'ai pas aimé, même s'il faut qu'on se chamaille, lorsque toi, tu me dis automatiquement, tu es libéré. La pression vient sur moi maintenant. C'est pour ça qu'on dit la parole libère. Voilà, la parole libère. Parce que automatiquement, la pression change de camp. Quand je te vois, automatiquement, je sais que, j'ai fait quelque chose à Chola. Elle n'est pas contente de moi. Donc, tu vois que la pression change de camp. Okay. Donc, c'est pourquoi il est bon de se libérer de tout ce qu'on a comme haine, comme rancœur contre les gens. Ça nous libère, ça nous permet vraiment de vivre bien. Alors, Nestor David, des trois présidents, M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara et le président Bédier, quel est celui de qui tu es le plus proche et parmi eux, qui t'a déjà reçu? Ou bien il a bouffé l'un de qui parmi les trois? Je suis proche de la Côte d'Ivoire.
Non, il faut bien contrôler les règles. Parmi situation. Les trois présidents, là, tu, as bouffé, tu as bouffé l'argent de quel président? J'ai déjà bouffé l'argent de tous les présidents. Hey. Ah, ça, c'est que l'argent là. Oui, parce que je suis un serviteur de Dieu, un chantre, un fils de la Côte d'Ivoire. Donc, d'une manière indirecte comme directe, j'ai eu à être soutenu tel lors de mes conseils, même si c'est 10 francs m'a donné. Mais tu penses que le président a le droit de te décorer? Non, moi, tu sais, les décorations, on ne les réclame pas. Toi, contente-toi de faire ton c'est travail. Et puis, c'est, vous savez, c'est Dieu qui touche le cœur des gens. Exactement. Voilà. Si le président estime que Nestor David fait un bon travail dans le pays, surtout au niveau de la jeunesse, il est un modèle, il veut me décorer. Il me décore. Alors, est-ce que tu as été nominé au premier tour? Cette année, oui, je crois, mais j'ai pas appelé des gens à voter. J'ai pas mis sur ma page. Bon, je n'ai pas de problème avec le premier tour. Mais la première édition où j'ai été nominé, moi, j'ai cru que c'était une distinction qu'on voulait me donner, on voulait me décerner, m'honorer pour le travail que je fais. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Mais quand après j'ai vu qu'il y avait des histoires de voting, appelé à voter, j'ai vu que ça rentre dans un esprit de concours, de concurrence, et je pense que... Tu n'as pas adhéré? Non, puisque le truc était déjà lancé. Et puis, il y a plusieurs artistes, plusieurs chanteurs et artistes. Parce que Claire Bailly a dit qu'un chanteur ne devrait pas se comparer aux autres artistes. Non, elle a raison, elle a parfaitement raison. C'est de ça que je parle. C'est pourquoi, après ça, les autres nominations, je n'ai pas réagi. Mais après, il faut comprendre que Mola fait beaucoup d'efforts pour la culture ivoirienne. Chacun de nous essaie de faire avancer la culture. Je ne suis pas pour, mais ce n'est pas pour autant que je vais venir faire des publications pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Bah, tu vois, parce que chaque artiste a des voix. Chaque artiste a des fans. Donc, quand tu te retires doucement. Sans faire de bruit pour jeter du discrédit sur l'autre, l'affaire de l'autre. Quand ce concours est remporté, je dirais, par un chant qui est Kaes Blum, qu'est-ce que cela dit à Nestor? Bon, on dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Tu n'as pas de remords, tu te dis pas si j'avais participé, j'aurais pu gagner. Non, vous savez, moi je ne travaille pas pour qu'on me donne des prix. Je vous ai dit, si on reconnaît le travail de Dieu que je fais, qu'on veut me donner une distinction, je suis d'accord. Mais le travail qu'on fait, de Dieu qu'on fait, ou bien même le travail en général d'artiste, c'est chaque fois qu'on se lève et puis un fan envoie des messages, les gens rendent des témoignages de ce que l'impact de la musique, des chants ont sur la vie. C'est ça le plus important. Maintenant, c'est une question de temps et de saison. Si l'autre a été distingué, je pense que c'est au vu de son travail. Mais on peut pas distinguer tout le monde. Voilà. Et si aujourd'hui ça a été le jeune frère, je pense que c'est parce qu'il a mérité. D'accord. Voilà. Alors récemment, le jeune frère en question, Kaes Blum, on a vu qu'il avait un concert avec le Rotary Club. Et les clients, il y a plein de chrétiens sur la toile qui ont crié au scandale, qui ont dit au scandale. Un chant pour Rotary Club, parce que bon, les chrétiens taxent les gens de Rotary d'être une forme de... Voilà. Donc du coup, toi, Nestor David, ta position aujourd'hui, je dirais, de dévancier des nez dans ce domaine, quel est le regard que tu portes sur cette réaction? Bon, moi d'abord, je ne suis pas le manager de Kaes Blum. Je ne suis pas Kaes Blum. Je ne suis pas dans son staff. Mais est-ce que toi, tu aurais pu faire ça, aller faire un conseil avec le Rotary? Est-ce que déjà, tu as déjà chanté pour le Rotary? Du moment où ce n'est pas moi, je n'ai pas d'explication à donner là-dessus. Mais est-ce que toi, tu as déjà chanté pour le Rotary? On t'a déjà sollicité pour ça? Je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas fait. Ça veut tout dire. Je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas d'explication à donner là-dessus. Vous savez, nous travaillons en tant que serviteurs de Dieu. Et les motivations peuvent être de façon spirituelle comme de façon physique. On peut solliciter quelqu'un pour une activité. La personne peut juger que là, il y a des âmes à gagner. La personne peut accepter de partir. Comme si la c'était personne... toi, tu l'as accepté. Non, c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas moi. Donc, oui, je n'ai pas, on sait je que n'ai c'est pas toi. De mais ce que je veux savoir, si aujourd'hui... Attends, je termine. Si aujourd'hui, le Rotary te propose 20 millions pour un spectacle
en tant que chantre de l'Éternel, serviteur de Dieu, comme tu aimes bien le dire, est-ce que non, tu accepterais... comme j'aime bien le dire. Comme, c'est oui, ce que tu je es, suis. Tu es là et tu le proclames. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu accepterais de chanter pour le Rotary? D'abord, comme il y a un cas qui se présente en ce moment, je ne veux pas donner d'esprit. Non, laisse-moi finir ma question. Tu n'es pas KS Blue. Si tu veux, après le concert du jeune frère, tu vas répondre à la vous question. Vous m'invitez, je vais répondre à non, la question. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Non, je sais de quoi mais je parle. Ça, vous savez, ça c'est pas un médecin après la mort. Non, ce n'est pas question de médecin après la mort. Il est en train vous de vous savez, embobiner là. Vous, non, je ne suis pas en train de vous embobiner. Moi, je suis quelqu'un qui dit des choses comme je pense. Voilà, pourtant, parce ma question est claire. Mais la question est claire, mais je vous dis que l'activité est en cours. Il y a beaucoup de sous qui ont été engendrés. Bah, attends, je vous ai dit, concernant Moula, il ne faut pas mettre le sable dans la tiquée des gens. Vous comprenez? Moi, j'ai ma conviction personnelle, qui n'est pas la conviction de l'autre, ou bien de Chola, ni de Serge de Fallet. Ce que moi, je ne veux pas, accepter, ce que je vais accepter, je ne veux pas demander à l'autre d'accepter. Mais vous ne pouvez pas demander mon avis sur une question qui ne me concerne pas. Justement, la voilà. Question qui ne te concerne maintenant, pas, je l'ai mise à côté. Si vous voulez que je réponde, après le concert, vous m'invitez, je vais répondre, je vais vous donner mon avis. Je Chola. Dis que... Est-ce que si le Rotary te sollicite tout de suite 20 millions pour un cachet de 30 minutes, tu acceptes ou tu refuses bon, la question? Ils ne m'ont jamais sollicité, ils ne vont pas me solliciter. Bon, je suis la représentante du Rotary, je te sollicite pour un conseil. Bon, ce n'est pas sur le plateau. Donc après... On va prendre la Côte d'Ivoire. Après, tu me feras venir ton contrat et puis moi, mais je vais te donner. Ah, après. Bon, ben, Nestor David. En fait, ce que je comprends, Nestor David, ce n'est pas un bon guérisseur. Il n'aime pas Béret. Non, en fait, voilà, au fait... Il n'aime pas jugement. Il n'aime pas Béret. Je ne suis pas... Vous savez, je travaille pour que, d'abord, l'évangile avance. Si quelqu'un, par sa voix, amène des âmes à Christ, il faut protéger ces personnes. D'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour jeter du discrédit sur les gens. Si je remarque quelque chose envers un frère ou celle de Fallet... Je ne sais pas sur une chaîne de télévision, je vais l'appeler. Je vais l'interpeller pour dire chef, frère, ça, vraiment, essaie de revoir. Chacun a ses convictions, mais à mon avis, je pense qu'il faut essayer de revoir. Mais je n'ai pas venu sur. Non, plateau. En fait, nous, on en parle pourquoi à cause du boom que ça fait sur le tollé que ça fait sur la toile. Tu vois? Parce que là, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on on a voulu avoir ton avis. Exactement. Mais je pense que vous pouvez les inviter. Mais ça, c'est pas un problème. Oui, pour l'instant, toi, tu es assis dans notre fauteuil jaune. Ils vont donner leur... Nestor David, pour l'instant, c'est toi qui es assis dans notre fauteuil jaune. Si le fauteuil était rouge, j'allais répondre à toutes les questions. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ça. On va voir Zoumana Bakayoko, on va changer la couleur. C'est pas un problème. Voilà. Maintenant, Nestor David, moi, je veux savoir. Hein. Finalement, tu es chantre et tu es homme de Dieu, c'est ça? L'évangile. Tu prêches l'évangile. Oui. Donc, on peut considérer que tu es pasteur, non? Je suis prophète. Prophète, je d'accord. Je suis chante prophète. D'accord. Bon, il y a deux personnes dans ce pays qui se font beaucoup voir. Mm-hmm. Entre autres, Gédéon de la Tchitchouva et Makoso Camille, qui se dit être homme de Dieu. Pour toi qui es ancré dans la chose, qui est prophète, on va commencer par Makoso. Quand tu le regardes, c'est un homme de Dieu ou c'est un rigolo? C'est pas moi qui ai appelé Makoso à Christ. C'est pas moi qui ai appelé Gédéon à Christ. Et ce n'est pas à moi qui rend des comptes. On sait, moi, on demande ton avis. Ils rendent des comptes à leur Dieu. Donc, ce qu'ils font... C'est leur Dieu ou bien votre Dieu? Notre Dieu. Chacun a son Dieu. Tu devras dire notre Dieu. Parce que, regarde, quand je dis chacun a son Dieu, oui. Quand moi je dis mon Dieu, Jésus, toi, tu dis mon Dieu, Jésus, tu l'appropries. C'est de façon individuelle. Ouais. Le Dieu là, chacun s'approprie son Dieu de façon individuelle. Je m'explique. Quand je dis, oh mon Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Dieu à moi. Quand Chola dit mon Seigneur Jésus-Christ, c'est son Dieu à elle. Non, c'est le Dieu de tout le monde. Et quand on dit notre Père alors? Mais notre Père là. Attends, on ne dit pas mon Père qui est aux cieux. Mais notre Père qui est aux cieux là, c'est une prière. Bon. Est-ce que vous comprenez? Nestor David, tu veux trop me mettre dans la philosophie, ça me fait pas. Je suis pas en train de philosopher. Je t'ai posé notre une Père question claire. Qui est aux cieux, c'est une prière. D'accord, j'ai bien compris. Il faut pas voyager notre esprit. J'ai maintenant, je vous explique. Il faut voyager mon âme. Non, c'est pas moi qui l'ai appelé à Christ ni à Dieu.
chacun a son mode de fonctionnement pour évangéliser ou pour gagner d'argent ou bien pour faire son travail de Dieu. Si eux, le mode de fonctionnement que leur Dieu leur a donné, c'est passer par ce chemin-là, pour pouvoir gagner des âmes, ou bien, comme vous avez parlé des buzz et autres, pour pouvoir gagner des âmes, ou bien passer par les réseaux sociaux, par les médias, par des trucs populaires, gloire à Dieu. Mais je t'ai posé une question concrète. En fait, tu ne fais que tourner autour du pot, mais tu j'ai pas tourné autour du pot. Si tu ne réponds pas véritablement à ma question. Je vous ai répondu pour dire que c'est pas moi qui ai appelé Makoso. Oui, c'est pas toi qui l'as appelé, Christ, je suis d'accord. Ni Gédéon Daké, tu vois. On est d'accord donc avec ça. Moi, je n'ai pas dit qu'ils sont des bons pasteurs ou pas. D'accord. Mais, est-ce que tu es d'accord avec leur façon de procéder? Je dirais, tu sais, est-ce que tu es d'accord, on dirait, avec leur... Un homme de Dieu comme Makoso, qui dit, excusez-moi, MC aux gens, MC, on sait ce que ça signifie, je ne vais pas le dire à l'antenne, qui dit maudit aux gens. Est-ce que toi, Nessor David, tu pourrais tenir des propos pareils? Moi, je suis d'accord avec ce que je fais pour Dieu. Donc, tu n'es pas d'accord avec ce que Makoso fait? J'ai dit, moi, je suis d'accord. Tu es d'accord avec toi, mais je n'ai pas d'accord. Pareil comme les autres aussi peuvent ne pas être d'accord avec ce que je fais. Moi, si la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Moi, je suis convaincu de ce que je fais pour Dieu. Et je ne sais pas si les autres sont convaincus de ce que les autres font pour Dieu. Donc, leur doctrine, tu ne sais pas, tu ne peux pas affirmer que leur doctrine est vraie. Il y a une question de doctrine aussi derrière. Voilà, justement, quand vous parlez de doctrine, la doctrine là, on l'adopte selon la feuille de route que chacun a reçue de la part de son Dieu. Voilà, donc moi, ce n'est pas moi qui leur ai donné leur feuille de route. Donc, je n'ai pas apporté des jugements sur ces personnes. Non, Nestor David, en fait, le problème avec toi, c'est que tu confonds jugement et avis. Et avis. Donner son avis, fait, c'est dire ce que avis. Tu penses. Mais on ne te dit pas de le juger ou de le condamner. Parce que tu n'es pas habilité à le faire, d'autant plus que tu n'es pas Dieu. Mais on te demande comment toi, tu vois la chose, tout simplement. Voilà, de quel œil tu vois la chose. Mon avis, c'est que j'apprécie ce que je fais pour Dieu. Le reste, je ne peux pas donner mon avis sur ce que les autres font. Chacun a son mode de fonctionnement, chacun a son mode d'évangélisation. Donc, je ne sais pas. Bon, Gédéon de la Tchichouva, par exemple, lui, il prône goûter déjà avant le mariage et puis la polygamie. Goûtez-vous. Voilà. Quel est l'avis de Nestor David sur ces deux questions? Est-ce que toi, tu es partant pour goûter la femme avant de l'épouser? Et est-ce que tu es d'accord pour la polygamie dans le milieu chrétien? Je vous invite à l'église, chez moi, à l'église. Non, pour l'instant, avant d'arriver à l'église, on n'a pas parlé. Avant d'arriver là-bas, il n'y a pas de transport. Dans ma prédication, je vais vous donner le transport tout à l'heure. Allez commencer par ça. Dans ma prédication, vous allez savoir si je suis d'accord ou pas. Okay. Mais, oui, mais déjà, pour l'instant, il faut le dire à nos téléspectateurs. Il faut informer les gens, par ici, il ne veut pas... Bon, j'ai dit, chers téléspectateurs, Chola me pose la question de savoir comment le pasteur Gédéon de la Tchouva prône la polygamie et puis quoi encore? C'est-à-dire coucher avec une femme avant de l'épouser. Ce qui n'a pas été dit dans la Bible. Chose que moi, je ne vais pas donner de réponse ici. Comme on va dans la Bible, je les invite chez moi à l'église, et puis je vais prêcher là-dessus, selon moi, mes convictions. Nestor David, est-ce que toi, avant d'épouser, excuse-moi, ta femme, tu as testé d'abord? Non, il faut répondre. Mais je suis déjà marié, j'ai mon épouse. Donc je sais, mais avant, est-ce que vous avez fait la chasteté jusqu'au mariage, ou bien avant le mariage, c'était déjà consommé? Quelle était la... Si je réponds déjà, ça veut dire que j'ai déjà tranché l'affaire. Donc, je ne vais pas répondre. C'est ce qu'elle dit. C'est sérieux? Elle dit que tu voyais nos esprits. Là, tu vois que c'était ma vision. Non, c'est ton esprit, il veut voyager mon âme. Non, mais c'est abusé. Ça ne va pas se faire. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ok, bon, si tu ne veux pas dire pour ta femme et toi, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Ce que eux disent. Dit. Est-ce qu'une femme, là, avant de l'épouser, il faut déjà avoir des rapports sexuels avec elle? D'abord, ce que je vais vous amener à comprendre, c'est-à-dire, ça me dérange que vous parlez d'une femme comme si c'est une marchandise. Non, j'ai bien rectifié tout à l'heure que ce n'est pas une marchandise, donc on en parle avec beaucoup de respect. Une femme, d'abord, c'est nos mamans. Exactement. C'est la femme qui donne vie et je pense qu'il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme. D'abord, c'est très important, il faut respecter la femme. Et puis, il faut... vous savez, les rapports sexuels sont très sacrés. Voilà, sont très sacrés. Et je pense qu'il ne faut pas utiliser ça comme de l'amusement. Parce que c'est à la suite des rapports sexuels que l'homme naît. Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut, pour le respect même de la femme, il faut s'abstenir... Il faut s'abstenir
de souvent utiliser, traiter la femme comme une marchandise, traiter la femme comme si c'est un objet de... Bon, ce n'est pas nous qui traitons les femmes comme un objet. C'est un objet de satisfaction sexuelle. Ça va au-delà de ça, parce que nous tous qui sommes là, nous sommes nés à la suite des rapports sexuels. Donc c'est très sacré. Et c'est un partage qui est très spirituel entre l'homme et la femme. Donc je pense que il faut passer ces choses-là pour évitons de jeter la perversité sur le côté sacré. D'accord. Nestor David, on a bien compris tout ce que tu dis. C'est très intéressant à entendre parce que bon, après là, on n'est pas à l'église, hein, donc on est dans une émission à polémique. Donc moi, je veux savoir, est-ce que, hein, Nestor David, tu es d'accord avec le fait que Gédéon dise d'avoir des rapports sexuels avant d'épouser une femme, oui ou non? Ma question est simple. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà répondu à la question. Non. J'ai déjà répondu à la question. Mais je pense que vos minutes sont en train de finir. Il faut qu'on évolue. Non, on a tout le temps. T'inquiète pas pour ça. C'est nous qui gérons cette émission. On peut rester là jusqu'à 21h. Non, c'est ça qui sert. Est-ce que tu es d'accord pour le fait qu'ils disent qu'on goûte d'abord avant de marier? Mais je vous ai parlé que... Je vous ai dit tout à l'heure des histoires de goûter. Les rapports sexuels sont sacrés. Et entre... Vous savez qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord, mais pour, je ne condamne pas. Je dis, il a ses raisons. Voilà, il a ses raisons de le dire. Il a justifié. C'est tout ce que je voulais savoir. Il a justifié sur la base de la Bible. Voilà, mais moi... C'est dit dans la Bible, ça? J'ai dit, il a justifié. Non, mais moi, je te demandais ce que dans la Bible... Il a justifié sur la base de la Bible. Maintenant, moi, pour aller plus loin, c'est vrai, même si... Il a pu justifier selon la Bible, mais moi j'estime que pour ne pas qu'il y ait vraiment la perversité au sein de l'Église, je pense qu'il faut, garder les anciennes pratiques pour vraiment permettre à chacun vraiment de vivre une vie de façon saine devant Dieu. Tout à fait. Non, en parlant de chapitre qui a été pris dans la Bible pour être justifié, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux quand il a justifié ses propos. Il a dit, il a pris le chapitre, dans le chapitre à l'intérieur, dans la Bible, ça dit « si un homme prend une femme okay. ». Donc, quand on parle de « si », ça veut dire qu'il y a une condition. Mm-hmm. C'est conditionné, bien. Voilà. S'il dit bien, il y a une condition. Et qui parle de condition, on dit « s'il a pris qu'il ne veut pas la marier, qu'il rembourse, qu'il paye une certaine somme à ses parents pour se libérer de ça mm-hmm. ». En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un voleur, que ton tata va te mettre en prison. Oui. Donc, tu voles et puis tu es content d'aller partir en prison. Ah, d'accord. Mais c'est ce que tu avais dit, vous m'avez dit quoi? Ok. Non, tu vois que toi-même, tu as expliqué. Donc, tu es un pasteur qui est sur le plateau. Voilà. Donc, n'empêche pas, il faut empêcher. Mais je donne ma vie, mon ami. Je sais, parce que tu n'as pas peur de donner sa position. Voilà. Aïe, d'empêcher cela de te faire quoi, Nestor David? De m'attaquer comme ça. T'attaquer? Sinon, il y a eu 3 jours de jeûne. Ah, c'est écrit dans la Bible que si tu voles, tu vas partir en prison. Oui, bien sûr. Mais les gens vont voler, ils savent qu'ils vont partir en prison. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu assumes ton banditisme. Voilà. Faut savoir que c'est ce qu'on dit, vous savez, dans la vie, là. Il y a toujours. Les gens jouent les esprits. Voilà. Nestor David dit que moi, je suis en train de l'attaquer, il va me donner 3 jours de jeûne. Oui. Hey, et puis j'aime sec. J'aime sec. Sans boire ni manger. Mais Nestor David, tu as répondu pour la question de goûter avant de d'épouser. Maintenant, la polygamie, tu es pour ou contre? Non, mais écoutez, vous savez, un homme ne peut jamais aimer deux femmes de la même manière. C'est impossible. Donc, quand on rentre dans ça, il faut se dire que déjà, tu commences à créer des problèmes à la base. Nous autres, là, on a grandi dans des foyers de polygames. Avec plusieurs femmes. Voilà. Donc, on a vécu de la discrimination. Je ne peux pas conseiller cela à quelqu'un. Mais parce qu'en fonction de ton vécu, en fait. Voilà, oui, en fonction de mon vécu. Mais après, chacun est libre. Il y a des gens pour qui ça marche. Mais j'estime que ça cause beaucoup de problèmes après. Même après, même notre départ au ciel, il y a beaucoup de problèmes à régler derrière ici. Il est plus facile pour des enfants de même père, même mère, de régler leurs problèmes que des demi-frères. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Donc, vraiment, moi, à mon avis personnel, je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Tu as ton épouse, c'est mieux aller marier 2, 3, 4 femmes après. Nos parents arrivaient à gérer, mais il y avait des soucis. Il y avait des soucis parce qu'avant, il n'y avait pas la médiatisation comme on voit aujourd'hui. Mais il y avait des réels soucis
Moi, j'ai vécu dans ces conditions. Et qu'est-ce que tu as vécu exactement? Moi, j'ai vécu dans une famille, parce que moi, quand j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans et j'ai été envoyé dans un campement par mon oncle qui avait quatre épouses. Mm-hmm. Et okay. C'est chaque épouse avec ses enfants. Donc, il y a une qui m'avait prise. Elle n'avait pas d'enfant. Donc, c'est moi qui étais comme son enfant. Puis après, elle a divorcé, elle est partie du foyer. Quand elle est partie du foyer, moi, j'étais resté là comme ça. Donc, j'étais plus proche de mon oncle, mais de temps en temps, il n'était pas là. Donc, tu vois qu'on fait à manger. Nous, les hommes, on mange ensemble. Les filles mangent ensemble. Quand on finit de manger, on sert la nourriture, on finit de manger. Bon, on n'est pas rassasié. Mais après quelques temps, je vois chaque enfant chez sa maman et qui fait à manger à côté pour ses enfants. J'ai vécu ça, j'ai vécu plusieurs palabres entre nous, les enfants. Bon, il y avait trop de choses où des palabres des enfants se transforment en bagarres des mères. C'était atroce, c'était horrible. Donc, c'est des choses que je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Et aujourd'hui, la vie est chère. Il faut éviter les problèmes. Sinon, c'est pourquoi il y a plein de papas qui font des AVC là. Ouais, il y a beaucoup de femmes, tout le monde veut. Parce que pour supporter, pour gérer une femme, c'est difficile. Toi, tu t'en prends 4. Hein? Ou bien, n'est-ce pas? Ah ben. Toi, tu t'en vas charger 2 problèmes, 3 problèmes. Je ne connais pas les réseaux qui poussent les gens à prendre 2-3 femmes. Hein? Ah, donc, c'est ça. Toi-même, tu sais que. Toi-même. Une femme. Tu sais que toi seul là, pour te gérer, c'est difficile, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Moi, je suis une crème, hein, donc je n'ai pas de problème. Oh, pardon, il faut laisser. Non, enfin bref. N'est-ce pas, David, ce n'est pas mon Fafa. Ce n'est pas mon Fafa. C'est le Fafa de Nestor David. Nestor, déjà, tu ne poses plus de questions. Tu ne poses plus de questions dans cette émission. Tu ne fais que répondre aux questions. Voilà. Alors, attends, excuse-moi, Défalé. Je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas parce que Gédéon lui-même pratique la polygamie, qu'il incite les gens justement à devenir, enfin, il incite les hommes à devenir des polygames. Bon, je pense qu'il a l'onction pour ça, donc. Donc, tu penses qu'il peut gérer plusieurs femmes lui? Il a la tarue pour ça. Gars, tu veux qu'on te dise pas le mal? Parce que, regarde, vous savez, quand quelqu'un prend un bagage, qu'il met sur sa tête, c'est qu'il sait qu'il a un coup. Il peut supporter. Pour supporter. Exact. Si Nestor David s'en va soulever sur. Ce bagage-là, la chaise qui est là, c'est que je sais que j'ai un coup assez solide pour supporter. On dit quand Mabouya porte pantalon, c'est qu'il sait où ranger sa queue. Voilà, donc je pense que chacun, selon sa compétence, selon la force qu'il a, son courage, il charge sa. Est-ce que c'est normal bagage. Que Gédéon, homme de Dieu, parce que lui-même est polygame, incite nos frères à devenir des polygames? Est-ce que tu trouves ça normal pour quelqu'un qui se dit homme de Dieu? Mais quand tu fais quelque chose que tu estimes que c'est bon, tu encourages les gens. C'est ce qu'on appelle l'impact. Voilà, c'est ça. À ce que les gens fassent comme toi. Concernant Makoso, lui, c'est l'homme de Dieu qui aime tromper, qui trompait son épouse avec une blogueuse. Je veux parler justement de l'infidélité de certains hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Est-ce que, Nestor David, tu as déjà trompé ta femme? Vous posez des questions assez. C'est pas d'abord, je pense que c'est pas décent de. C'est vrai que c'est fafa, mais de poser ce genre de questions à un homme de Dieu. On veut savoir. Makoso a répondu à la question ici. Voilà. Bon, s'il a répondu, mais moi je ne répondrai pas parce que je suis marié et je dois rester avec mon épouse. Voilà. On n'a pas demandé le divorce d'ailleurs. Tout ce qu'on veut savoir. On ne vous demande pas de vous séparer, absolument pas. Je suis dans mon foyer, je suis fidèle. Voilà. Tu n'as jamais succombé au charme d'une jeune femme sous la paroisse? On ne vient pas sur la paroisse pour venir chercher une femme, on vient sur la paroisse pour louer Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une qui a tenté de t'allumer? Tu connais les Gézards. Parce que Makoso ici a dit qu'il avait combien de demandes en mariage dans son église. Donc je suppose que si Makoso a des demandes en mariage, ce n'est pas Nestor David qui va rester en marge. D'abord, Makoso est un joli garçon. Nestor David n'est pas un joli garçon. Ça y est, dit quoi? Ouais, c'est ça. Donc, vous comprenez. David, donc, pourquoi tu veux forcément sortir de la paix? Makoso est un joli garçon pour la beauté relative. Bon, donc, Nestor David, je reviens encore sur cette affaire d'infidélité. On assiste à des cas où des pasteurs sortent, ils couchent avec avec leurs fidèles. C'est récurrent. Je sais que tu as déjà entendu parler de ça.
à plusieurs reprises, c'est récurrent dans l'église. Est-ce que tu as été confronté, toi, à ce genre de situation où la fidèle vient te dire, « Nestor, tu es une célébrité, moi, papa prophète, donne-moi un coup seulement. » D'abord même, tu ne peux pas me regarder et puis oser même prononcer ce genre de paroles. Papa prophète, attends, écoutez, pas la route. Un homme de Dieu, tu ne peux pas te permettre de venir, ce n'est pas ton camarade du quartier. Tu ne peux pas te permettre de venir te pointer devant lui pour... Attends. Et lui, papa, demande. Non, écoute, c'est indécent même. Et c'est impoli. C'est impoli de... Attends, écoutez. Oui, parce que quand vous voyez, vous êtes célèbre. Oui, mais il y en a qui vont juste à l'église, pas parce que tu es un Dieu, parce que tu es Nestor David. Oui, d'accord, je suis d'accord. Oui, mais attends. Tu viens à l'église, vois un homme de Dieu, et tu oses demander à l'homme de Dieu de coucher avec toi, de faire, comment tu as dit quoi, un coup. Tu es une envoyée du diable. C'est une tentatrice. Oui. Elle vient de tenter. Vous savez. Mais il y en a au sein de l'église. Il y a des tentatrices au sein de l'église. Oui, mais vous savez que l'église, quand on est en Christ, on est en Dieu, on fait l'œuvre de Dieu, là, on a notre adversaire numéro un qui est le diable, qui nous tente par tous les moyens. Alors, il ne faut pas voir la personne qui vient vers toi, regarder la beauté, mais il faut regarder derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui anime cette personne-là. Parce que la personne peut venir par d'elle-même. Donc souvent, il ne faut pas incriminer la personne aussi. La personne peut être sous la pression d'un esprit. La personne peut être envoyée par le diable. La personne peut être envoyée par des gens pour te déstabiliser. Donc, d'abord même, tu ne peux même pas me regarder. Puis tu as dit non, fou, un coup, tu es malade. Mais défalé. C'est très impoli. Mais comment tu peux venir à l'église voir un homme de Dieu et lui dire non? C'est parce qu'on n'a jamais vu. Papa, faut me donner. Mais si le papa même. Si tu veux un coup, je vais te donner un coup de poing. C'est pas Seigneur, dis-moi un mot que ma vie cherche. C'est pas de moi un coup. Oui, parce que j'en parle. Tu sais pourquoi? Parce que si tu veux un coup, je vais te donner un coup de poing. On voit des hommes de Dieu. On est d'accord, on voit des hommes de Dieu qui ont des rapports sexuels récurrents avec leurs fidèles. Bon, et moi, ma connaissance, je ne sais pas. Je n'ai Nestor pas David, ça se passe très souvent dans l'église, tu ne me diras pas que tu n'es pas informé. Bon, si vous en connaissez, vous me citez le nom. On ne va pas citer de nom, on voit juste le cas dans sa généralité. Moi, je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu. À entendre Nestor David parler, j'ai l'impression que c'est Jésus-Christ sur terre lui-même. Je ne suis pas Jésus. Non, Nestor, terminer parce que... Attends, tu n'as pas de péché. Je n'ai pas dit que je n'ai pas tu de péché. Tu n'as jamais été tenté dans ton église par une belle tentatrice qui est venue dire, papa pasteur, moi je sais que tu es marié, mais tu me plais. On fait comment? Tu n'as jamais été confronté mais à ça. Quand quelqu'un dit, tu me plais, et puis quelqu'un te dit, il faut faire un coup. C'est deux choses différentes. C'est la même chose, tu me plais, ça veut dire qu'elle veut te donner. Oui, mais on peut plaire à quelqu'un sur plusieurs fois. Elle veut te donner un coup, elle veut te plier un coup. Non. Tu vas refuser? Je peux dire à Serge de Fallet, dire à K, tu... Non, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Mais cela dit, elle veut te... Oui, mais quand on dit plaît là, vous pensez à quoi? C'est pas moi. Quand on dit plaît là, vous pensez à quoi? C'est qu'elle est attirée par toi. Non. Quand on dit plaît là, je peux dire le président de la République me plaît. Non, tu peux dire j'aime son affaire. Non. Il te plaît comme plaît là, ça veut dire que la personne pose des actes, des attitudes qui te plaisent. Ok, ce que le président fait, ça me plaît. Ce que le président fait, ça me plaît. Mais comme il pose des actes qui me plaisent, donc lui, il me plaît. Non, j'aime beaucoup le président. C'est un exemple. Non, c'est ton plaît là même qui me plaît pas. Mais quand quelqu'un dit tu me plais, regarde, nous sommes un des hommes publics. Donc, des gens peuvent nous aimer pour ce que nous faisons. Donc, ne voyons pas toujours comme si la personne veut coucher avec toi. Non. C'est pas. Attends, la femme, c'est sacré. Nestor David, une femme se respecte. Je suis une femme, non? Oui. Je vais te dire une chose. Je peux dire, défalé, vraiment, j'aime beaucoup défalé. J'apprécie énormément Sopo ou William. Mais quand je dis défalé, me plaît. Derrière, là. C'est qu'il y a des plaît, ça veut dire que. Dès que défalé fait une erreur, je lui pèse le pantalon. Ça dépend de l'esprit que tu manifestes derrière. Mais c'est ça que je suis en train de parler. Voilà, sinon. Je vois ça de façon saine. Tu vois, tu es en train de draguer défaler. Je ne drague pas, c'est mon grand frère. C'est un exemple que j'ai pris. Nestor, même là, ton fond n'est pas bon. Arrête ça. Tu n'as pas bon fond. Tu es vaincu. Nestor, David, déjà full complet. Quand tu peux
prends le micro. Est-ce que tu sais ce que ça fait aux jeunes filles? C'est des gens qui aiment ce que je fais. Alors, tu l'as elles sont pas fans de moi. Elles sont fans? Non, elles sont pas fans de moi. Mais ce que tu as dit que toi, dans tout ton diamant là, les goûts t'ont jamais arrêté pour dire Nestor David. Non, mais tu me plais. Mais faut me donner un goût, ça fait quoi? C'est pas sa femme, elle va rire. Elles aiment le ministère de Nestor David, elles aiment les chants de Nestor David, elles aiment ce que Nestor David fait. Elles sont pas amoureuses de moi. Nestor David, faut les voir. Toi-même là, tu aimes ma musique. Oui, mais j'adore ta musique. J'aime beaucoup ton thème vocal. C'est la même chose. Ce thème vocal. Bon, Nestor David, tu me plais. Oui, je te plais, non. Je sais que c'est ce que je fais. Non, mais je vais te répondre. C'est ce que je fais là qui te plaît. Donc, parce que où tu es là, je sais que. Affaire de plaire aujourd'hui là. Affaire de plaire là. Je te plais pour ce que je fais. C'est pas ce que j'ai dit. Merci, ma soeur. C'est pas ce que j'ai dit. Sois béni. J'ai dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime ta musique. Au-delà de ça là, toi-même là, tu me plais. Merci. Faut laisser ça. C'est ça des plaires d'aujourd'hui. Vraiment, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Bon, on va être plus sérieux. Nestor David, dernièrement tu as fait un concert. Je pense que c'est le groupe Magic System, hein, voilà, qui a financé le concert. Ils t'ont rémunéré à hauteur de combien de millions? Parce que te connaissant, je sais que tu n'as pas fait ce concert gratuitement. D'abord, je tenais à dire merci à son Excellence, l'ambassadeur Assalfo, qui j'avais déjà programmé deux concerts. Un concert au stade de l'université, et puis l'autre, je voulais faire un petit concert privé au PAM Club. C'est là, quand je suis allé le voir, il m'a accordé une audience. Il m'a dit, pour mes 20 ans, Nestor David a marqué cette nation. Nestor David est une icône. Il fait partie des 10... meilleurs artistes en Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas normal que tu s'élèves tes 20 ans dans une petite salle de 300 places. Que des gens... tu mérites mieux que ça. Je vais t'envoyer à l'Hôtel d'Ivoire. C'est comme ça que, pour la première fois de ma carrière, il m'a fait jouer à l'Hôtel d'Ivoire. Au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Donc, pour respecter même son Excellence, je ne veux pas venir parler de cachet ici. C'était pas en thème de c'est pas ça qui était l'objet, mais c'était vraiment cet honneur que son Excellence m'a fait de pouvoir me faire jouer, me donner un concert live au Palais des Congrès Sofitel, qui est vraiment une salle prestigieuse. Et Dieu, qui était dedans, a permis que tout se passe bien, les gens ont répondu. Et c'était vraiment merveilleux. Nous avons eu plein d'autorités qui sont venues. Lui-même, son Excellence, est venu avec toute une équipe, près de 50 personnes. Son épouse même était présente. Et c'était vraiment, la fête était très belle. Les autorités, les gens sont restés jusqu'à la fin. Les gens ne voulaient plus partir à la maison. Moi, j'ai dû arrêter puisque le lendemain, j'avais le concert au stade de l'université. Donc, voilà. Merci au groupe Magic System. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. J'ai entendu dire, hein, et ça, très sincèrement, que ta voix n'est pas simple. Quand on dit ta voix n'est pas simple, c'est-à-dire les gens disent que Nestor David, là, quand il chante et puis les gens tombent là, c'est-à-dire ta voix transperce l'âme. On dit que c'est pas simple. On dit que tu as eu recours à des pratiques mystiques pour que quand Nestor prend le micro là. Couper sa langue, mettre tout dedans. Voilà, on dit quand tu prends le micro là. Non, l'angle là a repoussé. On dit quand tu prends le micro là. Non, c'est pas possible. Ça, c'est dû au fait que tu as allé voir des féticheurs pour ça. Qu'en est-il exactement? Bon, vous voyez que, c'est-à-dire, j'ai comme l'impression que les gens ne croient même pas la puissance de Dieu. Quand les féticheurs, ceux qui vont voir les féticheurs, quand vous partez, les féticheurs d'ici, ni oui, Allah sont là, c'est prêt à Dieu. Moi, je n'ai jamais essayé, je ne vais jamais l'essayer. Parce que j'estime et je crois, je le dis, le Dieu que nous adorons est capable, il est puissant, fort et puissant, capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est une question de foi. Moi, je chante ce que j'ai vécu. Je chante des choses qui sont palpables que j'ai traversées. Donc, automatiquement, pendant que je suis en train de chanter ces paroles-là, que les gens entendent accompagnées de la puissance de Dieu, ces paroles touchent les gens. Vous voyez, quand on parle d'Aïka, Aïka, là, ce n'est pas chrétien seulement qui paie quelqu'un. Ce n'est pas moi seul qui ai perdu quelqu'un. Je suis en train de parler de ma vie, chanter ma vie. Mais il y a plein de personnes qui se retrouvent dedans. C'est pourquoi les gens tombent, les gens pleurent. Et il y a l'onction de Dieu qui accompagne. Moi, je crois à la puissance de mon Dieu. Et je chante. Je vis ce que je chante. Et il n'y a pas de moyen que les gens ne soient pas touchés. Et puis, à la base, je suis un serviteur de Dieu. Donc, quand je chante, je suis en train de ministrer. Je suis en train de rendre ministère. Donc, laissez vos histoires
aller moi qui voir le dit, tout, hein, tout c'est ça. Les gens. Et je pense que si Dieu, Jésus, là, il a marché sur la mer, il a marché sur la mer, il ne s'est pas noyé. Jésus a opéré des miracles qu'aucun homme n'a opéré. Moïse, qui était... Marcos aussi fait des miracles. Oui, d'accord. Moïse, qui était un simple berger, mais regarde, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, voyez les miracles que Moïse a accomplis. Moïse, avec son simple bâton, il a divisé la mer en deux. Vous voyez la mer qui est là, vous pouvez, tendre votre bâton et puis la mer va se diviser. Il y a des miracles que Dieu a, que tu as été opéré dans la Bible, que de nos jours là, aucun homme de Dieu n'a accompli ça. Donc, on n'a même pas encore fait même 1% des miracles que Jésus a accomplis. Donc, Jésus là, il est plus qu'extraordinaire. Donc, si nous sommes en lui, nous pouvons faire plus. D'accord, ça, ouais. C'est noté. Donc, je vois ton alliance, elle brille. Donc, tu es marié, tu as des enfants et tout ça. Je suis marié, il y a 3 enfants. Ta femme, tu l'as rencontrée où exactement? Dans l'église ou en dehors de l'église? Bon, il y a longtemps, donc je ne me souviens plus même. Non, il faut que tu te souviennes. Je me souviens du jour du mariage. Parce que, n'est-ce pas, David, si tu as rencontré ta femme dans l'église, ça veut dire que dans l'église, il se passe des choses. Ce qui est sûr, moi, je me suis marié en 2013. Oui, mais avant le mariage, tu as rencontré ta femme de cette façon. C'est cette date-là que je me rappelle. Mais sur la commande de l'église, c'est pas des choses. Je me rappelle donc, de cette date. Il se mange. Mais comment je l'ai rencontré là, j'ai oublié parce qu'il y a longtemps. Mais je me souviens du jour de mon mariage parce que ça m'a marqué. Non, en fait, l'histoire, David ne veut pas nous dire, effectivement, j'ai rencontré ma femme à l'église parce qu'il sait que s'il répond, je lui dis, mais décidément, entre chrétiens, vous avez l'art de sortir entre vous et de vous marier. Donc, nous qui sommes en dehors de votre église, on ne va pas gagner mari. Mais donc, prenez vos maris en dehors de votre église là-bas. Non. Non, viens à l'église. Alors, vous venez d'aller chercher la route. Moi, en tout cas, si je vais dans l'église de Nestor David, c'est pour aller prendre Nestor David lui-même. Tu es vaincu. Ah, bon. C'est-à-dire que quand tu vas faire terminer. Quand tu vas dans l'église, ça vous prend la tête. Pourquoi je vais prendre la queue? Donc, tu es pas le truc que l'église ne veut pas faire. Exactement. On dit d'être à la tête et non à la queue. Je ne vais pas prendre la queue. Je vais pas prendre la tête. La tête est occupée. Non. On va désoccuper la tête. Monsieur, là, si vous voyez, tu peux lui mettre ses propres propos pour le prendre ça. Exactement. David, elle dit c'est ce que tu as dit. Qu'elle écoute tes conseils. C'est ça. Si elle rentre dans ton église, elle a ton conseil que tu as donné là, elle va prendre la tête. C'est tout. Elle est vaincue. Je vais pour taper le sommet. C'est tout. Tu as tapé 40 jours de jeûne. Il n'y a pas de problème. Je suis discipline. J'ai vécu au nom de Jésus. Parfait, t'es bien. Alors, big up, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Tous nos frères, nos amis qui partagent le Fafa dans sur tous les réseaux sociaux. Restez toujours couverts. Big up au PDG Pierrot. Big up à Kalangala le berger. Big up à Ange Bleu le cultivateur. Big up à la marraine Matida. Big up à toute la famille Franck Mian, le jeune industriel. Big up à Kra de Paris. Big up. Et bientôt l'ouverture de la boutique Kra de Paris. Big up Africa Solar Energy. Le printemps Abidjan. Snook City Baby. On est ensemble. Big up à ma grande soeur et ma chérie, mes amis, tout le monde. On est ensemble. Sortez couvert, Serge Dufalet. Cette émission est malheureusement terminée. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Je remercie Soko et William Santiago qui étaient à la caméra. Merci à Serge Dufalet. Merci à Nestor David. Nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même canal. Entre vous et nous, ce sera toujours Fafa. À la semaine prochaine.